Sarumi. Choisissez quelqu'un pour la prophétie. Choisissez vous-même. Quelqu'un, une personne ici. Choisissez vous-même un candidat pour la prophétie ici. Pour prophétie. Hein? Ok, venez alors, comme vous l'avez choisi. Choisissez une personne ici pour la prophétie. Choisissez une personne. Qui? C'est qui? Où est le candidat d'ici? Oui, bon, venez, qu'on vous insiste. Gévaro, Amsura, Isoré, Amsura, Iminura, Banasera, Amra, Inura, Bin, Ijora. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te restaure, qu'il restaure ton sourire. Ça va, hein? Ça va bien, papa. Ça va bien. Oui, papa. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, merci, papa. Vous pleurez parce que je vous ai choisi pour la prophétie. Oui, papa. Wow. Regardez combien cette femme a soif de la prophétie. Ah, moi, je suis sur la prophétie. Le Seigneur vous aime, vous reconnaît. Merci, mon père. Depuis votre enfance, on a cherché à vous gâter. Merci, papa. Hein? Vous êtes où? Vous êtes où? Merci, Bouddha. Vous êtes Bouddha. Venez. Go. Depuis, mettez-vous ici. Depuis votre enfance, on a cherché à vous gâter. Oui, vous comprenez? Oui, papa. Parce que dans votre maison familiale, oui, papa. Il y a eu des pratiques. Il y a eu des pratiques de la tradition. Oui, papa. Hein? Oui, papa. La tradition en rapport avec les crânes, oui, papa. Avec l'adoration des ancêtres, avec les crânes, etc. etc. Oui, papa. Et quand j'ai vu votre maison familiale, when I see your familiar house, dans votre maison familiale, ce culte a commencé depuis le temps des aïeuls. Jusqu'à. Oui, aujourd'hui, ce n'est plus fort comme avant. Oui, papa. Mais il y a encore les séquelles. Oui, papa. Et Dieu m'a dit de prier pour vous. Oui, papa. De commencer par votre famille. Amen. Je commençais par votre famille. Quand je suis arrivé dans votre famille, j'ai commencé à regarder. Et Dieu m'a dit, la femme, si tout ce qu'elle fait ne marche pas. Elle se bat depuis, c'est une bonne femme. Vous êtes bien, vous avez un bon cœur. Mais cependant, tout ce que vous faites, vous savez vous-même que vous êtes attaché. Et vous, attendez. Vous avez un oncle qu'on appelle Jean. Votre oncle s'appelle Jean. Vérité, papa. Il est où? Yes. Il est à Bouddha. On l'appelle comment? Jean. Oui, papa. Je vais vous dire quelque chose sur votre oncle que vous ne connaissez pas. Oui, papa. Zemari Taouda Inna et le Bantaouda Gova. Entrazota ou Ram Laït. Lorsque votre oncle Jean était petit, il a eu des problèmes avec votre père. Ils ont eu des problèmes, les problèmes les ont séparés. Jusqu'à aujourd'hui, votre père ne sait pas que dans son cœur, il a toujours, il se souvient de ce qui s'était passé. Et ce qui s'est passé était en rapport avec l'héritage. Hein? C'était en rapport avec l'héritage. Votre père a été choisi. Mais Jean n'a pas été choisi. Oui, papa. Après, le problème, c'est qu'il n'est pas choisi à la place de votre père. Oui, papa. Mais après, il s'est mal comporté. Après, et on a choisi votre père à sa place. Oui, papa. Et on a donné l'autorité à votre papa. Oui, papa. Sur les biens de la famille. Oui, papa. Et il est devenu comme l'héritier de la famille. Oui, papa. Oui, papa. Vérité, papa. Vérité. Lorsque ces choses se sont passées, when those things happen, il y a eu beaucoup d'erreurs que vos parents ont commis. Oui, papa. Hein? Vos parents ont commis beaucoup d'erreurs, même votre père lui-même a commis des erreurs. Oui, papa. Son frère a commis des erreurs. Oui, tous deux sont allés chez les marabouts. Ils sont allés chez les marabouts. Ils sont allés chez les marabouts. Oui, ils sont allés chez les marabouts. They went to witch doctors.
Martin, c'est qui? Who is Martin? Pardon, papa. Martin, c'est qui? C'est le petit frère à mon papa. C'est votre oncle, n'est-ce pas? Oui, papa. Donc, et que ce soit votre père ou Martin ou bien Jean, tous se sont engagés dans les histoires à cause de bien. Oui, papa. Et ils sont allés chez le marabout. Oui, papa. Et quand ils sont allés chez le marabout, chacun est allé chez le marabout. Chacun a pris ce qu'il devrait prendre pour protéger sa famille et récupérer l'héritage entre les mains de l'autre famille. Oui, papa. Et ces choses ont dispersé votre famille. Ils ont apporté la destruction dans votre maison jusqu'aujourd'hui. Oui, papa. Vérité, papa. Vérité. Et c'est vous suivez. Vérité, ça apporte les problèmes. Votre problème. Et vous, vos problèmes aujourd'hui sont venus à cause des erreurs de votre père et de vos oncles. On est allé à gauche, on est allé à droite, on a pris ceci, on a pris cela. Les gens se sont attachés entre eux dans votre famille. C'est ça votre problème. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous marier. Vous êtes victime des erreurs de vos parents. Mais on va arranger ça. But we are going to arrange that. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant. Amen. Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Dis Seigneur, je sais. Dis Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. J'ai vu une femme qu'on appelle Jacqueline. I saw a woman called Jacqueline. Oui, papa. J'ai vu une femme qu'on appelle Jacqueline. I saw a woman called Jacqueline. Jacqueline, elle est morte. She's dead. Elle est déjà morte. She's already dead. À l'époque où il y avait les bagarres, où il y a où chacun montait, chacun descendait, etc. Elle est tombée sous la force des malédictions qui ont été proclamées chez les marabouts. Et elle est morte. Elle est morte sans avoir accompli sa destinée. Et on l'a enterrée. Vous dites que vous êtes d'où? Je suis Bouddha. Vous êtes Bouddha. Babadjou. Mon père est chef Babadjou. Votre père? Un chef Babadjou. D'accord. Un chef Bachia. Il n'y a pas de problème. Mais c'est Babadjou, Bobo ou pas. Ça n'a pas de problème. C'est pas ça qui nous intéresse. Maintenant, écoutez. Non, listen. Votre père avait une soeur qu'on appelait Jacqueline. Called Jacqueline. Et elle est morte. Oui, elle est morte très tôt. She died. Elle est morte trop tôt. C'était une cousine à lui. Oui, papa. Elle est morte à cause des pratiques de la sorcellerie. Ça veut dire que la nuit elle dormait, elle a eu un rêve dans lequel on l'a poursuivi, on l'a arrêté et on l'a égorgé. Oui, papa. Et votre tante aussi, This your aunt. Ah? Votre tante aussi habitait derrière l'école publique. Was staying behind the public school. Oui, elle habitait derrière l'école publique. Was staying behind the public school. Oui, papa. J'ai ton voisin, c'est atmosphère de prophétie. Yes, your neighbor, atmosphère de prophétie. C'est qui Cédric? Oui, c'est quoi Cédric? Cédric, c'est un grand frère à moi qui conduit mon père. Ah? C'est mon grand frère, il conduit mon père. D'accord. Merci. Merci. Les choses qui se sont passées dans votre famille. Things that happened in your family. Alors je suis en train de parler, je prie Dieu. Speaking of... Parce que j'ai vu un cercueil. I saw, et dans le cercueil, j'ai vu un jeune homme. In this coffin, I saw a boy. Et ce jeune homme, c'est votre frère. And that young boy, Cédric. Cédric. Et Dieu me dit de prier parce que l'esprit qui a touché Jacqueline et qui l'a égorgé est en train de poursuivre votre frère. Écoutez, après appeler Cédric, dis-lui, raconte-moi le rêve que tu as eu. Il a eu un rêve. Dans le rêve, une femme le poursuivait. Et la femme le menaçait de mort. Appelez Cédric. Vous avez son numéro. Vous avez son numéro. À présent, je n'ai plus son numéro parce que j'ai perdu ma SIM. Vous aviez son numéro. Oui, papa. MTN. Oui, papa. Son numéro MTN. J'en ai, mais maintenant. Vous aviez son numéro MTN. Oui, papa. 677. Oui, papa. 29. Oui, papa. 01. Oui, papa. C'est son numéro. Grâce in Gumbo. Je pousse ma ou ta vu. Thank you, Jesus. Raïda un raïni.
sama ou d'agus, manchari. C'est juste pour vous prouver que Jésus vous connaît. On n'est pas en train de jouer. C'est sérieux ici. Merci Seigneur. Merci. Je vais prier pour vous. Dieu va envoyer un ange égorger l'esprit ici. Tu es apparu pour votre grand frère. Merci mon Dieu. Merci papa. Merci. Attendez, vous avez demandé à Dieu si vous allez vous marier ou pas. You have asked God to get married. Vous avez demandé à Dieu quelle est votre vie, est-ce que vous allez vous marier, est-ce que vous n'allez pas vous marier, est-ce que vous serez stable dans un foyer un jour, est-ce que. Oui, papa. Je vous dis quelque chose. Est-ce que je suis marié, papa? Vous êtes marié? Oui, papa. Officiellement, tout est fait, tout est attaché. Hein? Non, papa. Tout est fait. Non, papa. Vous n'êtes pas fait. C'est traditionnellement. Non, vous n'êtes pas encore marié. You are not yet married. Il est où? Where is he? Je suis marié, il est à Kombu. Hein? En Kombu. Vous êtes allé à la mairie? Non, papa. Vous n'êtes pas encore marié, madame. You are not yet married. S'il meurt maintenant, vous ne serez pas héritière. Yeah, ok, les gens sont pas arrangés ça. Vous n'êtes pas marié. You are not married. C'est ça le mariage. Je comprends. Ok. Pas. Vous avez fait un rêve. Yeah, mais dans le rêve, vous vous êtes retrouvé quelque part. Vous marchiez. Vous et vous étiez pieds nus. Oui, papa. Ah, vous oui, étiez papa. Pieds nus. Oui, papa. Et c'est comme si vous étiez perdu. Vous ne vous retrouviez pas. Oui, papa. Vous avez perdu la destination où vous alliez. Oui, papa. Oui, c'est papa. Ça. La vérité, papa. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Bon, je ne me rappelle plus tellement. Je reconnais seulement que j'étais dans un rêve. Je me suis retrouvé quelque part et je n'arrivais pas à remarquer cette place. D'accord. Maintenant, il y a une route que vous cherchiez. No, vous avez perdu la route. Oui, papa. Je vais me dire de vous dire ceci. Aujourd'hui, l'ange de Dieu sera libéré pour vous montrer. Oui. La foi qu'elle a perdue sera retrouvée aujourd'hui. Merci, mon Dieu. Merci, papa. Maintenant, nous voulons, je vais prier pour que vous vous mariez. I want to pray for you to get married. Merci mon Dieu. Merci. Je vais prier pour que vous soyez mariés, que vous vous mariez. Merci papa. Maintenant, je veux que vous compreniez une chose. Ah oui, c'est honnête. Vous prophétisez sur quelqu'un, je vous dis qu'elle n'est pas mariée, elle vous dit je suis mariée. Mais vous connaissez d'où vous écoutez la voix de Dieu. Vous savez que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il y a un fils comme ça. Parce que je vais vous dire quelque chose. I want to tell you something. Alors je suis en train de parler, il y a un démon qui entre dans votre foyer. Oui, papa. Il y a un démon qui est en train dans votre foyer. Oui, papa. Pour voler le cœur de votre mari. Vérité, papa. Vérité, papa. Vérité, papa. Parce que vous êtes ici. Because you are le Seigneur va vous bénir. Amen. Amen. Merci, merci, mon Dieu. Merci, merci. Trop de souffrance, trop de souffrance. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que l'homme avec qui vous êtes veut faire. Mais vous ne savez pas. Il y a quelque chose qu'il veut faire. Et je vais vous dire ce qu'il veut faire. Et on va arranger. En fait, il ne veut plus continuer. Il ne veut pas aller à la mairie. Il ne veut pas vous épouser. Vous comprenez? Il est en train de changer d'avis. Et il y a quelqu'un qui est en train de lui proposer quelqu'un. Il a un oncle qu'on appelle Gaston. Il a son oncle qu'on appelle Gaston. Son oncle est en train de le conseiller de prendre une autre femme. Et Gaston n'avait jamais été d'accord de votre mariage. Trop de souffrance, papa. Tout ennemi de ta vie soit exposé. Amen. Je dis pas, dis Seigneur, tout ennemi de ma vie, tout ennemi de ma vie, qu'il soit exposé, qu'il soit exposé, au nom souverain de Jésus, au nom souverain de Jésus, amen. C'est la dernière larme que vous versez. Vos ennemis seront confus. Merci papa, merci papa. Vous comprenez? Oui papa, je comprends. Donnez la main, venez. C'est fini. Je vais prier. Votre mari sera obligé. Your husband shall be obliged. Il s'est engagé, il va honorer l'engagement. Oh
Amen, papa, amen. Est-ce que vous me suivez? Vous suivez? Oui, papa. J'ai vu un jeune homme qu'on appelle Dieu donné, comme Dieu donné. Oui, papa. J'ai vu un jeune homme comme Dieu donné. Dieu donné. Et le Dieu donné, si. Alors je suis en train de parler. Si votre mari était ici, j'allais lui parler. Oui, papa. Oui, papa. Dieu donné est en train de vous chercher partout. Alors je vous parle. Vous l'avez connu, il était encore lycéen. Et il s'était intéressé à vous. Et il vous aimait. Il était encore étudiant à l'école lycéen. Et il vous avait fait la cour. Il vous a dit qu'il vous aime, etc. Et il était sérieux dans ce qu'il disait pour vous. Mais après ça, il y a eu un problème. Où c'était le voyage, et puis où quelqu'un est parti, quelqu'un a voyagé dans tous les cas. Vous êtes perdu de vue jusqu'à aujourd'hui. Alors je suis en train de parler. Dieu donné est en train de vous chercher. Et il vous cherche de tout son cœur, de toute sa force et de toute son âme. Parce qu'il veut vous épouser. Donc, si votre mari était ici, je lui aurais dit, va faire vite avant que Dieu donné n'arrive. Te perds le temps pour quand il y a un vrai mari là-bas, ton mari te cherche partout. Écoutez, je provoque des connexions prophétiques entre vous et les bonnes personnes. Amen. Seigneur, que sa porte soit ouverte. Que les prochaines pleurs soient des pleurs de joie. Amen. In Jesus' name. Amen. Maman, reçois-tu, reçois ta portion. Tu reçois. Tu reçois. Rappelez-vous que c'est le candidat du Shabbat ici. Ça ne semble pas moi qui l'ai choisi, c'est même ce candidat proposé du Shabbat. Prochainement, c'est ça. On fait un vote démocratique ou prophétique. Vous envoyez le candidat, il reçoit la prophétie, il vous représente. Comme elle a reçu tout son Shabbat, reçoit la même chose. Amen.